Bonsoir! J'ai mis le micro! Jusqu'au dernier live! Eh, on n'y est plus l'habitude, donc excusez-moi. Bah, vous êtes déjà nombreux, déjà une vingtaine de spectateurs. Je vois pas mal de noms que je connais. Oja, Soka, Val, Guy, Le Tro, Kyo. Je fais que des abréviations ce soir. Tim. ça va, François? Ouais, bah oui, ça... Ça va et toi? Bah oui, ça y est, notre. C'est la fin, le tout dernier refrain. Non, c'est pas que c'est quoi les paroles. C'est ça, c'est... on est au bout de l'aventure, ça y est. Chagrin. Ah, on essaie de retrouver les paroles de Juliette Armanet, le dernier jour du disco. C'est la fin, le tout dernier matin. Matin, ok. Chagrin. Merci, merci. Bah, François le plus beau, oui, on est d'accord, François le plus beau. Merci pour moi. Merci des beaux. En même temps, je ne ressemble à rien. Je mets un bonnet, sobriété énergétique, il fait 8 degrés chez moi. Bon, il fait un peu plus là. Et donc, du coup, il faut se couvrir. Bon, bref, pendant quelques minutes, on va faire quelques remerciements. Nous dire à quel point on est ému de vous présenter ce 6e et dernier film de Digimon Adventure Tree en VF. Merci Aurel Power d'être redevenu un enfant élu. Film qui s'est fait non sans mal, parce que, comme chacun des films de Digimon Adventure Tree, la production a été plus que compliquée, n'est-ce pas, François? Oui, oh. Disons que chaque film s'est terminé à la dernière minute, quoi. Encore celui-ci. Exactement. Voilà, exactement. Les exports sont chauds de ce matin ou de cet après-midi pour certains. Oui, bah, j'ai lancé un export, là, en terminé. Je t'ai envoyé le truc à 19h, là, pour une sortie à 20h30 sur le site, donc... Faut savoir qu'on avait pris beaucoup de mois d'avance, et voilà, bon, on l'a déjà raconté très souvent sur ces lives, mais... des petites choses comme des retards d'envoi de pistes chez certains comédiens, bah, ont fait que les films ne se bouclaient pas en temps et en heure comme on le voudrait. Mais ce n'est point grave. Au final, on n'a pas eu de retard quand même. Hein. Donc on a toujours été là, toutes les dates qu'on avait annoncées, on était présents avec exact. Un film fini. Donc dis, c'est une victoire. C'est Roland dit qu'on est beau en gros sur la télé. Oh. Millicris s'est abonné avec Prime, merci pour ce sub. Tous ces subs qui vont payer peut-être une partie aussi de notre abonnement méga en fait dont le renouvellement se fait dans 5 jours parce que du coup nos films en plusieurs versions 720p, 1080p, 5.1 ainsi que tous nos épisodes dans une version 1080p et là dès la semaine prochaine 720p sont et resteront disponibles sur notre site internet. Du coup pendant bah, toujours je pense donc en téléchargement, en streaming et ainsi que les dramas et toutes les autres choses qu'on lui en a faites comme les clips parce que bah, 2 ans et demi François, 2 ans et demi de... Eh oui. Merci. Mais c'est bien c'est... Le train de la hype approche, ça veut dire quoi ce message? On a même Zudon de Discord. Oui. Qui organise le grand concours, tout ça. Exactement, ben, beaucoup de monde. Merci à vous d'être venus, de subber, de follower et tout ça. Ça nous fait plaisir. C'est la fin. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien sur la chaîne Twitch. Hein. C'est que tout maintenant qu'on est sorti de la production et qu'on n'aura plus de VF à faire, on va pouvoir faire des lives toutes les semaines ou toutes les 2 semaines autour de Digimon avec plein de choses. Revoir nos épisodes, voir d'autres saisons, notamment Zero Two. Non pas en VF, mais en VOSTFR, du coup. Voilà, on va faire des lives autour de Digimon pour faire vivre cette passion qui nous anime toujours, François et moi. Bien que pendant 2 ans et demi, elle ait été mise à rude épreuve, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Là, j'ai atteint un niveau de saturation. Pour toi, là. Je suis prêt à tourner la page, voilà. Même si je dis ça, mais en vrai, voilà, genre là, tu vois, rien que... J'ai senti l'émotion, tu vois, monter un peu toute la journée, et là... Ce soir, je sais déjà, tu vois, qu'après le live, je vais être en mode... Bah, surtout que on a mis des petits messages sur notre groupe de travail. J'ai initié un message et les comédiens se sont succédés. Voilà, et les 6 comédiens se sont succédés avec des messages pleins d'émotions pour voilà faire leur petit bilan sur ces 2 ans et demi. C'était beau, c'était mignon à lire entre nous. Et puis à la fin du live, donc à la fin de ce film, une partie, en tout cas ceux qui peuvent être disponibles ce soir, viendront nous rejoindre. Oh, merci pour ces 300 bits, ma chère Discordia, qui sera parmi nous, notamment, à 21h40-45 après le film, avec plein d'autres de nos copains pour célébrer ça avec vous et puis revenir bah, voilà, sur ces 2 ans et demi et sur nos nouveaux projets et sur ce qui nous attend après, parce qu'il y a une vie après Digimon. Voilà, on ne s'en va pas dans la nature
comme ça. Non, mais non, on va passer à Pokémon. Tu vas passer, ça y est, c'est déjà lancé. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est parce que du coup, il y a plus de followers sur Pokémon. Je suis invendu. Bravo. Bravo, ouais. Et ben, que dire avant de lancer ce film, du coup, pour le présenter, pour l'annoncer? Comment, pardon? Excuse-moi, Que je t'ai dire encore dans avant les de lancer ce commentaires. film, pour le présenter, pour l'annoncer? Eh ben que du coup, alors que bah que toutes les personnes qui, j'espère que toutes les personnes qui n'ont pas vu Tri, du coup, vont apprécier ce film qui vient clôturer toute cette folle aventure. Et ceux qui ont déjà vu Tri, j'espère que vous allez enfin comprendre ce qui se passe dans ce dernier film, parce qu'alors l'adaptation de ce film, ça a été la cerise sur le gâteau qui était dans le gratin. Qui a été cette formidable adaptation de Tri. Donc, je suis. On va dire, c'était un défi que voilà, j'étais très content sur les premiers films, tu vois. J'étais en mode, oh ouais, trop bien et tout. Et j'ai galéré comme un rat mort sur les derniers. Mais je suis quand même très satisfait du résultat là sur le film 6. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et j'espère que ça rendra les choses plus claires. Voilà. Eh ben, on espère aussi. Merci à vous. Que veut dire le train de la hype? J'ai un gros message d'alerte en haut qui me dit niveau 2, train de la hype. Bon, alors je vais demander à la voix off. Voix off, que veut dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'il y a beaucoup d'abonnements, de bits, etc. Et du coup, ça génère un flux sur ta chaîne qui encourage les spectateurs à donner encore plus. Ah, d'accord. Bon, ne vous sentez pas obligé. Mais merci, voix off de. Merci Merci, beaucoup, narrateur, oui. qui vient de je ne sais où, en train d'attendre le repas car on n'a toujours pas mangé. Et ben, merci. Du coup, et ben, on va vous lancer le film. En tout cas, que vous dire, bah voilà, c'est 1 heure et demie de conclusion, d'intensité. Je me souviens, avant le lancer, de François qui, quand il l'a donné en doublage à tous les comédiens, a dit: surtout, si vous avez l'impression d'en faire trop, c'est toujours pas assez. Tout est intense, tout est décuplé. Et oui, chacune des répliques jouées a Oui. dû être faite dans bah voilà, c'est la fin du monde hein, dans ce film. Si vous vous souvenez de Oui. comment se termine le cinquième. Et donc voilà, tout était extrêmement intense à jouer. Et le résultat est vachement cool, je trouve. Oui, on a une super ambiance tout au long du film qui voilà, voilà, qui rend bien quand T'as un même malgré coucou? tout, hein. Non, voilà, Saphir dit coucou à mon chéri. Eh ben, normalement je lance à 20h10, donc il reste 2 minutes. Je sais pas, on fait un décompte, je sais pas, quoi dire pendant 2 minutes. Que dire de plus, quoi? Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir Peux vous présenter tout mon ce chat? monde là pour ce dernier live, Il mine de voulait pas, rien. mais le voilà. Parce qu'on est déjà une trentaine là. Hein. Ah, ben très bien. Ben écoutez. Le trooper a lancé un décompte, c'est parti. 119, oh là C'est là. les secondes, c'est parti. Oui, c'était Oscar. Ah, ben, nouveau following, mais il y a trop de choses qui se passent en fait là pendant ces 2 minutes. C'est formidable. Ben, Merci dites-nous dans les Guillaume pour les commentaires, bits. commentez le film pendant que vous le regardez ou attendez la fin du film. Dites-nous dans les commentaires en tout cas, voilà, ce qui a été votre meilleur moment de toute la saga Digimon Adventure Tri, le personnage qui vous a le plus plu, celui qui vous a le plus agacé. Je sais que beaucoup vont répondre Agumon et la fin. Voilà, Agumon et la fin. Voilà, ce que vous avez pensé de nos comédiens, notre équipe, de l'adaptation, de cette DVF. Bref, dites-nous tout et puis on va en débattre et on répondra à vos questions après le film Oui. à 21h40. Et surtout, on pourra enfin vous présenter un clip que j'avais tellement hâte de vous présenter, Ah oui. rempli d'émotions, le clip qui normalement clôture le film de Boku Hero War Game. Il a enfin été monté pour le coup, il retrace vraiment notre aventure de 2 ans, de 2 ans d'aventure. Plein de souvenirs, donc on À vous le fait. présentera C'est dans. une jolie lettre d'amour Oui. pour clôturer tout Dans la dernière partie. N'hésitez pas à dire combien vous aimez Telmon. Voilà. Bon, bah. ça. Déclarez votre amour à Telmon. Si vous nous followez ou je ne sais quoi, vous avez normalement la possibilité de. Hop, faire ce que je viens de faire, de balancer des Telmon. Eh ben. François, on se dit à tout. Enfin, on se dit à tout à l'heure avec les autres. Et Bah on. ouais. Et on lance le film. À tout à l'heure. Bon Bon visionnage, film. profitez-en bien, bon appétit si vous mangez devant, et puis bah à tout de suite. Éclatez-vous. Attention, Aldric et les bugs, je coupe le micro. C'est l'unique option qu'il reste pour assurer la survie de l'humanité. C'est bien ce que je pensais. C'est pas une évolution. Encore quelques instants, et cette souffrance ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est quoi tous ces Digimon? Ce monde, ce n'est pas le sien.
Il n'a aucune raison de tout mettre en œuvre pour le sauver, contrairement à nous. Qu'est-ce qu'il dirait s'il était là, Taichi? C'est Meikumon qui souffre le plus de cette situation. Il faut qu'on unisse nos forces pour Tailmon et Meikumon! Ne baisse jamais les bras. À vous d'écrire le futur maintenant. C'est à l'intérieur de Meikumon que se trouve toute la lumière. J'en ai plus qu'assez d'entendre ces discours. Nous, on va sauver notre monde sans l'aide de personne. Les deux mots toujours plus illusoires, tu trouveras ta voix si tu comprends leur sens caché. Oula. Bonsoir. Attendez, je bouge les Digimon. Vous allez bien pendant que je bouge les Digimon? Oui. J'allais bien. Tandis que les Digimon bougent. Voilà. Merci d'être venu. François, allez, je te passe la parole pour remercier tous ces gens pendant que je bouge les Digimon. Que dire, remercier tous ces gens, remercier qui? Les gens qui sont là sur Discord, remercier les gens qui ont regardé, remercier mais oui, qui sont venus nous, qui sont venus nous regarder. Eh ben merci à tous, merci d'être venus si nombreux pour regarder ce dernier film de tri et pour nous notre dernier projet en tant que Digimon Adventure Fandom Project, n'est-ce pas? Voilà, avec en partie là avec nous ce soir. C'est une partie de toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette folle aventure. Et voilà. On va faire un tour de table. Du coup, moi, c'est Aldric. Donc, Joe, pour vous servir. Donc, François, c'est... Tu joues qui? Il n'y a que ta voix de... Patamon. Bien. À côté, on a donc, du coup, Bastien. Tu es qui, Bastien? Deux personnages. Taigo et Agumon. Bravo Agumon. En dessous on a Romain Lununarius, tu es qui? Je suis Taichi. Ah bah pendant que tu as dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu 200 bits. On a reçu 200 bits. Recommence Taichi, recommence. Bah voilà, tu l'as dit à ma place, je suis Taichi. Très bien, et à côté il y a ta sœur, Sokaline. Je suis Hikari. Oh, et à côté Valentin, tu es qui? Je suis Tantomon. Discordia, tu es qui? Bon, t'es sur l'épaule. Je suis Tailmon, bien sûr. Et en vert, on a un invité mystère. À votre avis, qui est-ce? Warmon. Je suis Atmon, un messager d'homéostasis. Et c'est à peu près tout ce qui résume ma personnalité. Merci, Yakmon, d'être venu nous dire des choses. Dans le monde numérique. Oui. Excellent travail. Je n'aurais jamais repensé retomber dans Digimon, mais vous avez réussi à m'y faire retourner et vive Digiduo, même si je n'y suis plus depuis des années. On n'a pas les frères Digiduo avec nous ce soir, tiens, mais on pense très fort à Demi et Darin qui sont aussi dans l'aventure avec nous. Je pensais que tu étais la présentatrice télé, moi. Ah oui, parce que Discordia était aussi la présentatrice télé et aussi la voix de l'intelligence artificielle qui dit je ne sais plus quoi à un moment. Ça a refait toute ma carrière dans Digimon, évidemment. Mais je pense que ça surpasse de loin Tailmon et tout ce mais que j'ai fait d'autre. Tu as eu une phrase d'intelligence artificielle, avoue, que tu as puisé dans cette expérience pour le faire sur le film sur lequel t'es sur le vrai film. Tu sais que j'y ai pensé parce que j'ai doublé ça oui. avant de faire mais le oui. film dans lequel j'ai fait l'IA. Et effectivement, je m'en suis rappelé, je me suis dit ah oh, punaise, mais en fait, j'ai déjà exploré cette facette de ma personnalité. Quand je l'ai entendu, j'ai entendu exactement la même voix, le même mixage que sur le film, quoi. C'est ça qui était dingue. Qui aurait cru? Mais comme quoi, Digimon, ça donne énormément d'expérience, que voulez-vous. Du coup, tiens, vu que là, tu avais la parole, Tailmon, qu'est-ce que t'as pensé de Tailmon dans ce film qui était vachement mis en retrait, vu qu'elle est devenue un monstre hideux? J'avoue qu'en fait, en regardant le film, j'ai eu un souvenir très lointain qui m'est remonté de quand on faisait les castings de Meikumon. Et en fait, vous m'aviez un peu survendu le délire entre Tailmon et Meikumon. En fait, vous me l'aviez complètement survendu. Parce que je sais plus, on en avait parlé et tout. Et vous me disiez, ouais, tu verras, elle va fusionner, c'est trop stylé et tout. Je m'attendais à des scènes de fou, genre on fait comme dans Dragon Ball, genre fusion. Je m'attendais à un truc de fou. Non, que dalle, on se transforme juste en grosse meuf bien méchante, dégueulasse. Et en plus, on dit pas un mot. Donc, d'ailleurs, voilà. Plus d'une fois, je me suis dit, Twitch va nous censurer parce que je n'arrêtais pas de me dire, mais allez, les seins en l'air et tout. Enfin, le bonhomme, tu vois, est un peu creepy quand même.
Ouais. Il faut dire que personnellement, quand je me suis lancé dans Tri, je l'ai fait qu'avec les souvenirs que j'avais des films que j'avais vus, mais à l'époque, tu vois, genre le 6 par exemple, c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois avant de faire le doublage. Donc en fait, tous les trucs qu'on racontait, tu vois, comme ça par exemple, on te disait oui, mais elle fusionne et tout. Je me souviens qu'on avait même parlé de la voix. Ouais, en disant, on avait mais parlé si elle fait Meikumon et Taemon, comment on va faire pour quand elle parle et tout. En fait, elle ne parle pas. Oui, c'est ça. Parce que l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, mais la question, c'était qu'on n'arrivait pas à trouver de voix qui convenait, en tout cas à Adric et François, pour faire Meikumon. Et j'avais fait un essai qui leur avait plutôt plu, parce que c'était dans l'esprit de ce qu'ils recherchaient. Et la question s'était posée justement à cause de ces scènes-là. Mais Leslie fait un travail magnifique sur Meikumon, elle le rend tellement mignon. Donc franchement, je pense pas que j'aurais fait un truc aussi mignon. J'aurais fait un truc plus proche de ce que vous aviez en tête. Elle s'en est un peu éloignée, mais au final, je trouve que c'est ultra adorable la manière dont elle le gère. Voilà. Je suis d'accord. Et ce que je vois dans les commentaires, ça parle de la mort tragique de Daigo. Donc je vais demander à Bastien, ça te fait quoi de mourir? Alors, c'est très... Honnêtement, sur la première mi-temps... Non, en vrai moi, je suis arrivé... j'ai approché les films en décidant de ne pas les regarder avant qu'on les double. Donc, j'ai eu la surprise en découvrant ma scène juste au moment où j'allais l'enregistrer. Donc, je me suis dit, ah, OK. Donc, c'est la fin de ce personnage. Et c'est trop triste. C'est trop triste. En même temps, j'aime bien, c'est une belle mort. C'est la mort du mentor, il sacrifie pour sauver Daichi. La phrase qu'il lui a dit dans le premier film. En reprenant la phrase, évidemment, on revient sur la phrase « Il faut rêver grand, très grand ». Et non, c'est vraiment, c'est très cool. Fun fact, c'est une réplique que je t'avais fait reprendre dans le premier film, justement. Oui. T'avais fait une première version, je lui ai dit « Non, il faut que tu l'appuies un peu plus, celle-là, tu vois ». J'aurais dû me douter, qu'il y a... Et du coup, tu es mort, tu as rejoint Maki dans l'au-delà, qui les deux nouveaux personnages, enfin deux des nouveaux, bah, en fait trois des quatre nouveaux personnages de Tri avec Meikumon, en fait, bah, on clamsait avant la fin, donc c'est quand même assez triste de mettre des nouveaux personnages. Une fin tragique. Et un est mort dans le précédent film, mais il a ressuscité de ses cendres, tel un phénix. Il est arrivé en héros avec une musique génialissime, et tout le monde était en mode « Hourra !» C'est, il me semble en plus, le film où il a eu le moins de travail de toute sa vie. Taichi, ça t'a fait quoi d'être deux parties sur quatre en repos? Ça fait bizarre. Ça prépare à la retraite. Mais, par contre, justement, tu vois... J'avais très peu sur ce film-là, mais la scène avec justement la mort de Daigo était tellement intense qu'il y avait peu, mais c'était génial, en fait. Et la scène était si intense, moi, quand j'ai doublé ce truc, mais j'aurais pu la doubler 26 fois, elle est tellement géniale. Ah, oui, oui. C'est le genre de scène que, justement, que j'ai toujours rêvé de faire avec de la putain d'intensité émotionnelle. Et c'est des scènes, certes, qui sont courtes, mais elles sont intenses, elles sont magistrales. Et c'est... Il n'y avait pas besoin de plus pour ce film. Bouleversant. Renversant même. Elle est très belle. D'ailleurs, j'ai vu les commentaires au moment où on était sur cette scène. Les gens, ils chialaient. Ils étaient, même moi, j'avais beau la regarder. Je trouve que vous faites tous les deux un travail extraordinaire. Et vous êtes excellents l'un et l'autre sur cette scène. En tout cas, bravo, Taichi. Tu as mis les nerfs de ta sœur à rude épreuve, n'est-ce pas, Ikari? J'ai vu des commentaires passer aussi sur les gens qui... Joanne était à côté de moi, et le film commence, c'est toi qui parles, et il me dit, mais c'est Zokaline? Waouh! Enfin, il était, tu vois, il te découvrait, il était un peu bluffé. Du coup, t'as pensé quoi de ton Ikari dans ce film? Franchement, je l'ai dit, je me suis éclatée sur ce film, parce qu'elle est passée de tellement d'émotions à l'émotion Taichi, je la verrai plus jamais, puis à la fin, je te préviens, si tu fais ça, je te casse la gueule. Mais en fait, je pourrais pas le supporter. Non, c'est pas possible. Bah, l'ascenseur émotionnel qu'elle a, c'est excellent. J'adore la scène à la fin quand elle dit à son frère, vraiment, tu sens la tension pour la première fois qu'ils vont s'engueuler. Mais juste, elle craque parce que bah, elle arrive pas, quoi. Elle peut pas lui en vouloir. C'est son frère. C'est impossible. C'est beau, c'est tout émouvant. Et on a Hackmon qui est parmi nous. Hackmon qui a eu aussi des pavés et des pavés dans ce film.
Tellement que il faisait pas tout. J'ai un souvenir très émouvant de cette tartine de tête que j'ai dû enquiller. Surtout que ça s'entend un peu, je le crains. J'ai un peu de mal à prononcer Yggdrasil. Le double G, il me reste dans la gorge quand je le prononce. Enfin, bon, bref, c'était un sacré défi. Bon, même si dans la série, j'avais aussi des sacrées tartines sur son nom m'échappe, mais l'arbre avec la moustache, là. Durémon. Voilà, Durémon, voilà, de la forêt du doute. Voilà. Voilà, je pourrais agir à ça. Puis pour Ackman, bon, c'est un personnage qui se révèle un petit peu dans ce film. Il a quand même une scène un peu touchante à la fin. Bon, ça a été un peu mon rayon de soleil, entre guillemets, parce que sinon, bon, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. C'est un personnage qui a assez classe en tant que spectateur. Bon, il est un peu intriguant et tout. En tant que comédien, c'est pas l'énorme kiff, hein, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même ces scènes à la fin où il y avait quelque chose à jouer, quoi. Quand il est ému face au miracle, comme il dit. C'est un peu moi qui réagis face à ce miracle qui a été le fan dub, hein, clairement. Wow. tu parles du travail en tant que comédien. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais peut-être laisser la parole à Discordia, vu qu'elle le connaît bien. Moi, je trouve un personnage que je pense on aurait tous rêvé jouer, c'est Dark Genai, qui est complètement cinglé, qui est complètement dingue, et qui est extrêmement jouissif à entendre. Du coup, Discordia, tu connais, vu que c'est Grégo Sensei qui le joue. Oui. Qu'as-tu pensé je pense que voilà, tu as kiffé quand même. Tu veux que je parle de sa prestation, on est d'accord, c'est ça? Oui, du personnage, oui. Sa prestation. Alors, oui. Ou du personnage. Le personnage en lui-même, comme tu dis, ouais, il est extrêmement jouissif à écouter. Et justement, c'est un peu jouer les méchants. Moi, je trouve que c'est des personnages toujours très, très cool à jouer. Tout le monde adore faire ça. Et justement, je pense que celui qui le connaît le mieux, c'est sûrement notre cher ami Picasso Mon. Je sais pas de quel côté il est par rapport à moi. L'autre côté. Mais... d'autre côté, voilà, parce que notre Devilmon, il a fait tous les méchants, et là pour une fois ce n'est pas toi le méchant, mais c'est vrai que ouais, c'est le personnage, il est hyper impressionnant, enfin il est complètement timbré, quoi. C'est vraiment là, c'est même plus être méchant, c'est juste être complètement craqué dans sa tête. Et Greg, j'avoue que en fait Greg, c'était à l'époque quand je lui parlais de Digimon, on lui disait, enfin je lui racontais tout ce qu'on avait achevé comme boulot, et ça l'avait impressionné. Et puis il voyait la qualité aussi de travail au niveau technique qui était mis dans les films et dans les épisodes. C'est vrai que quand je lui ai parlé qu'il y avait des castings, il avait postulé aussi pour Daigo. Et il y avait eu hésitation aussi pour Daigo, entre lui et justement toi, Bastien. Parce qu'il était aussi très convaincant sur Daigo, mais finalement, il me semble que dans le jugement, c'était qu'il y avait... on trouvait que c'était lui le meilleur... Dark Genai au final, donc forcément ça laissait plus, ça faisait le split parfait, quoi. Donc chacun avait un perso et comme ça tout le monde était content, mais ouais, c'était assez cool, je trouve, de le prendre sur le... Il fait honneur à ce personnage, il le rend bien fou, quoi. Je trouve. Je vous remercie, hein, je vois Guillaume et André, vous avez mis des très longs pavés, des super jolis commentaires et tout, donc que tout le monde peut lire. Et que, du coup, ça remercie tout l'équipe, les techniciens, les comédiens, tout ça. Et c'est vrai que nous-mêmes, en interne, j'ai mis un message hier sur notre groupe privé où chacun a ensuite commenté et réagi. Et voilà, on vit nous aussi en interne ces 2 ans et demi d'aventure, de souvenirs et autres. Et je vous propose de faire une petite pause en vous proposant, non pas cette fois-ci à la fin comme d'habitude, mais avant, comme ça on reviendra juste après l'avoir vu, un clip vidéo de 3 minutes 30 qui normalement aurait dû sortir, pour l'anecdote, le 21 juin pour la fête de la musique. Il n'est pas sorti parce que si vous nous suivez, vous savez que à ce moment-là est arrivé le drama de GFB nous a quittés, nous n'avions plus personne pour avancer sur nos bandes rythmo. Bref, on a dû réorganiser notre équipe, des choses sont passées. Et il restait 3 films à faire en bande rythmo. C'est voilà. Ça. Et donc du coup, du coup, le clip qu'on avait normalement délégué, parce que François n'avait plus le temps, à Discordia pour le montage, parce qu'elle est aussi monteuse vidéo de son côté, est passé à la trappe parce que du coup, elle est partie au créneau pour faire des bandes rythmo. Bref. Ah ouais. Finalement, avec François, quand on a vu le clip et le montage final et tout, et les paroles, la musique, tout ça, donc l'ending de Boku no Hero Game va sortir sur YouTube pour le 25 décembre, la semaine prochaine, mais on va vous le diffuser maintenant en petite avant-première. Les comédiens ne l'ont pas vu. Seuls François et moi et Shannon l'ont vu. Parce que bon, Shannon, elle a un droit de regard vu que c'est elle qui chante dessus.
occasion aussi de remercier Shannon, parce qu'elle a quasiment chanté sur toutes nos covers et toutes nos chansons, oui, et oui, elle a fait aussi un talent et un travail extraordinaire. Magnifique. Du coup, les gars, bah, mettez-vous sur Twitch, je vais mettre la musique. Je vais nous muter aussi au passage. Oui. Je vais pendant ce temps manger mon burger qui est arrivé avec 3 heures de retard. C'est l'occasion parfaite pour moi manger. Et puis bah, profitez, et puis on revient juste après pour d'autres petites discussions avec le reste de l'équipe. Voilà, mutez-vous, j'en sais rien, je vous mets le clip. Profitez-en. Youp. On est revenu. Alors, qui veut réagir à ce... elle a une voix de chanteuse Disney. Oui, elle a une voix de chanteuse Disney. Oui, c'est Arnaud qui regarde la mer. On n'a pas beaucoup vu Arnaud, mais il y a quand même des plans d'Arnaud dans ce clip. Oui, oui, quand j'ai vu, on a pratiquement tout le monde dedans. Mais si on regarde vraiment bien, il y a même... Parce que du coup, bah, je pense que ceux qui avaient regardé là, vous l'avez vu, mais il y a même, si on fait un moment des pauses quelque part, on peut voir un chouïa de petit Nicolas quelque part. Des gens comme Letty, Alain, Damien, tous des gens qui ont fait partie de l'aventure, qui ont été filmés, qui ont venu à des rencontres, quoi. Voilà, tout le monde peut... Il y a vraiment des petits easter eggs comme ça. Bah du coup, Amandine, qu'est-ce qu'on t'en a pensé? T'as remarqué qu'il y avait des plans de gymnastique? Oui, bah, j'ai reconnu les plans de Dynasty, j'ai reconnu des plans de vidéos qu'on avait utilisés pour faire les vidéos sur Insta où on nous voit doubler. Non, mais il y a plein de trucs. François, t'es allé chercher dans tellement de sources diverses et variées. C'est impressionnant. Ouais. Vraiment, je préfère le dire, vraiment, je suis impressionnée. Je trouve que le clip, il est vraiment hyper beau en termes de montage et tout. Parce que j'étais responsable de cette chose pendant un moment, mais je pense que j'aurais pas fait mieux. Donc, non, vraiment, je trouve que c'est. Voilà. C'est beau. Deux jours, jeudi, vendredi, deux jours de travail. Et j'en ai arraché les cheveux, parce que du coup, il y avait vraiment du taf sur ce clip. Et moi, je suis allé chercher. Bah, le truc, c'est que voilà, j'ai tellement multiplié les sources, je suis vraiment allé chercher dans toutes les vidéos. Mais c'est génial! Voilà. Mais c'est une super idée parce qu'en fait, en allant chercher partout, en fait, t'es allé chercher tous les souvenirs qu'on avait dans les moindres recoins et c'est génial en fait, c'est parfait. T'aurais pas pu faire mieux, je pense. Valou, ça t'a ému? Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Vous avez vraiment fait une compile en fait de tous les moments qu'on a passés ensemble. Il y a même eu des petites pépites de choses qu'on s'était filmées individuellement et vous avez repris ça là-dedans et c'est vraiment cool. Oui. Et l'Uninarius avec tes plans, la drone, alors t'en as pensé quoi de ce clip? je vais demander ça à mon drone qui a fini dans un arbre ou sur un des plans. Vous êtes beaucoup plus, on va dire, chacun impliqué dans ce clip, oui. Car il y a beaucoup de choses, justement, comme tu dis, il y a eu des gymnasties, il y a eu la rencontre IRL que vous avez fait au château, donc moi, je suis arrivé beaucoup plus tard dans l'aventure, donc forcément, il y a beaucoup plus d'images qui vous impactent, vous, mais je suis quand même content d'être en image avec vous tous, là-dedans, et en plus... Le carnet photo utilisé vraiment avec My Memory, ça reprend bien en fait, le fait que on arrive sur la fin d'un projet, ça va rester en mémoire pour tout le monde en fait, ça va être un très beau souvenir pour tout le monde. D'ailleurs, si tu fais des pauses sur les photos quand elles sont étalées, tu vois, il y a des photos de toi quand t'as vu Debo et Letty, t'as des photos de toi avec Sokka, photos de toi avec François, enfin, il y a eu des photos de toi qu'on a été récupérées. Oui, mais il en manque une. Oui, celle de toi et moi, je sais. Après 2 ans et demi, il n'y a toujours pas eu cette rencontre. Ouais, je sais. Remets pas le couteau dans la plaie, non. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Comme j'ai dit sur Facebook, il y a des rencontres qui se feront après. Mais oui, c'est sûr. Et Sokka, du coup, ça t'a plu? Parce que t'es aussi quand même pas mal dans... Ouais. Ça m'a beaucoup ému de revoir toutes ces photos, tous ces souvenirs. Ça m'a rappelé aussi ce qu'on a tourné avec François devant cette magnifique vue de chez moi. Oui. Quand je mets Timon dans mon sac et tout. Ça rappelle. Ça tombe juste tellement bien ce clip au moment où on est en train un peu de faire nos adieux, tout ça. On se dit, mais tous nos souvenirs, on les oubliera jamais, quoi. Ça fait partie de nous, c'est notre histoire, notre aventure. Il y a des beaux qui pleurent dans les commentaires. Ça pue la fin, sa maman. Au final, que le clip sorte maintenant, c'est bien, parce que c'est vrai que les paroles et tout ce que j'ai pu faire du coup sur le montage, ça tombait parfaitement. Quoi.
ça colle bien. Mais c'est ce que je disais à du coup Marion, Niwa et Shannon, vu que l'histoire de ce clip, c'est un peu comment Shannon s'est retrouvée avec nous. Enfin, nous, on était à quatre à entrer ensemble dans cette aventure et à vous rencontrer tous pour la plupart. Bah oui, à vous rencontrer tous et à se faire ce livre souvenir. Et là, à la fin, on s'en va à quatre parce que nous, c'est vrai qu'on on a cette amitié, mais on a vous en plus dans notre livre de souvenirs et d'amitié. Et c'est ce qu'on se disait dans les commentaires hein, qu'on mettait sur le groupe de travail. C'est voilà, c'est triste, mais en même temps, on a vécu une aventure de dingue. On s'est vu plus ou moins certains beaucoup, d'autres moins, d'autres pas encore, mais ce n'est que partie remise. mais en même temps, on l'a encore jamais vu non plus, alors que pourtant on l'adore et en ce moment on le met. Oui, toi tu l'as vu, ok. J'allais dire, et pourtant je le mets à toutes les sauces dans tous mes projets en ce moment. Donc peut-être qu'un jour, en même temps que je verrai le Lunarius, je verrai Bastien, qui sait. Peut-être. Qui sait. On fera une rencontre de tous ces BG que je n'ai jamais vus. Ces BG que je n'ai jamais vus. Mais par contre, je fais un petit commentaire parce que c'est la première fois que j'entends cette musique au final, cette chanson. Je trouve qu'elle est très surprenante au niveau de l'instrumental avec la musique, avec le violon là comme ça. Ça m'a rappelé un peu des vidéos, je sais pas, pour ceux qui auront la rêve de Lindsay Stirling. Voilà. Et vraiment, je me suis dit, franchement, quand j'entendais le violon comme ça, je me disais, waouh, t'imagines tellement un clip de cette meuf sur cette chanson, ça passerait nickel, que tu la verrais en fond jouer du violon. J'y croyais de ouf. Et ouais, l'ambiance est vraiment. Différente des autres chansons Digimon qu'on a entendues. En même temps, je m'avais dit ça sur Aikotoba le mois dernier, en mode ça fait pas du tout chanson Digimon, elle est vraiment différente des autres. Celle-ci non plus, voilà. C'est impressionnant. C'est très cool. Elles sont belles. Du coup, tiens, si on parle de souvenirs, de mémoire, de tout ça, si je dois vous demander, allez, juste un souvenir qui vous a marqué en 2 ans et demi. Alors, je suis en écho chez quelqu'un, je sais pas chez qui. Chez Socaline. Ah. Non, j'ai éteint pourtant. C'est son micro qui s'active quand il y a l'écho. On le voit sur Discord. j'ai éteint le son chez vous. Bon, on va voir. Je sais pas. Là ça a l'air de... Du coup, un souvenir. Valentin, un souvenir. N'importe lequel. Le château, hein, la première rencontre pour moi. Les autres, vous n'avez plus le droit d'utiliser le château, hein, je vous le dis. Ah, d'accord, ok. Ok, le château, en effet, je pense que si on doit le classer... J'aurais pas pu dire un élément du château plutôt que de dire tout le château, parce que c'est un peu bâtard. Si vous connaissez le jeu Une famille en or, il y a toujours un moment dans Une famille en or, il y a ce que des gens ont répondu, tu dois trouver une question, tu dois trouver plusieurs réponses. Donc du coup, le château, ce serait la réponse numéro 1. Fais pas Sébastien parce que le pauvre, sinon il va pas avoir trop d'options. Ouais, Bastien, un souvenir. Moi c'est difficile. en vrai, j'ai un souvenir qui m'a marqué, que j'avais beaucoup aimé, c'était le vocal qu'on avait fait du coup à 3 après que j'avais envoyé mes essais pour Agumon, où j'étais incapable de retrouver la voix que j'avais faite. J'étais là. J'étais là en coach vocal de. Ah oui, c'était ça, oui, et... je crois. Parce qu'en fait, j'avais envoyé des essais que j'avais enregistrés à l'arrache sur Messenger dans la qualité pourrie. Et du coup, Alec m'a dit c'est top, on devrait faire un vocal pour voir. Arrivé au vocal, incapable de refaire la voix d'Agumon. Incapable le de Mais le Agumon avait disparu. Mais ça va finalement. Au début, c'est vrai que c'était dur. Parce qu'on t'a demandé quelque chose de compliqué en faisant Agumon. Mais tu l'as tenu et tu l'as eu. Et finalement, tu t'en es très bien sorti. Je me souviens de ce qu'on t'avait dit. Enfin, c'était moi aussi. J'en avais parlé avec Aldric et François. Et l'idée, c'était de le rendre un peu plus aigu, mignon, nasillard. Pour que ça soit encore plus cartoonesque et tout. Et en soi, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Genre, vraiment, t'as réussi à bien renforcer le truc et tout. Donc, c'était. Ah, mais c'est pour ça que c'est un bon souvenir. C'est parce que c'est le début rocal qui a mené finalement à ce que j'y arrive. Et puis, c'est vrai qu'au début, Agumon avait une voix plus rocailleuse. Ouais, voilà, c'était ça. Et vos souvenirs peuvent très bien être un passage que vous avez doublé ou un résultat que vous avez vu et qui vous a plu. Du coup, je vais passer à Picasso Mon.
J'en avais déjà parlé, mais le moment le plus émouvant, ça peut peut-être en étonner certains, mais ça a été la découverte de la version test de l'épisode 40, la toute fin, où j'ai vraiment 39. Eu la gorge nouée. Même moi, j'ai un peu de mal à me l'expliquer, mais... Ouais, j'ai... L'épisode 39, non ? 39, oui. 39, pardon, excusez-moi, l'épisode 39. La toute fin de l'arc Vendémon, où les enfants... partent sous les yeux de leurs parents. Enfin, bref, c'est une scène déjà qui est très, très tire-larme à la base, mais moi, c'est aller plus loin que ça. Quoi. J'ai fait un transfert sur le projet, je ne sais pas, mais bref, voilà. Et puis, ça, c'est en termes d'émotion larmoyante. En termes de fou rire, c'est l'audition de Régine sur Abou. je tenais à le signaler. Voilà. Régine, c'est pour toi. Ah, oh, mon Dieu. Je sais pas si on vous l'a montré à tous. Je pense que oui, on a dû le partager dans des groupes et tout. Oui, oui, oui. Ouais, mais les gens du chat ne connaissent pas Régine. Je suis désolée. C'est une légende, Régine. En même temps, les amis, je pense que Régine porte très bien son nom. Imaginez réellement la femme là qui s'appelait, enfin qui est décédée entre temps, mais qui s'appelle Régine. Imaginez Régine, vraiment, la vraie Régine qui était célèbre, faire Agumon. Voilà, je pense que ça peut donner une idée de ce à quoi ça ressemblait. En n'ayant pas les prononciations, ni les intentions, ni rien du tout. Ce qui fait que j'étais la deuxième meilleure option. Mais dans un monde parallèle, il existe une version où on a pris Régine pour faire Agumon. Mais parce que tu sais que pour l'anecdote, Bastien n'a pas du tout candidaté sur Agumon. C'est juste que on a reçu des dizaines et des dizaines d'Agumon. On en recevait, et à chaque fois c'était plus catastrophique les accolades. Qu'à un moment j'ai dit stop. Il faut qu'on arrête de chercher Agumon. On va aller voir quelqu'un qu'on aime bien, qu'on apprécie, à qui on va demander et on va faire travailler quelqu'un, d'essayer et on le fera travailler s'il faut. Et j'ai dit, on va prendre Bastien, du coup, qu'on venait de rencontrer. Et je pense qu'il, voilà, on lui a demandé et voilà, on a passé du temps avec toi pour moduler. Mais parce que de toute façon, après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Haru, mais Haru a été un excellent Agumon. Je sais que beaucoup ont été très tristes de le voir partir de la série et qu'il ne reprenne plus son rôle parce que ce qu'il faisait était unique, parce que d'ailleurs, on a eu des dizaines de candidats derrière qui n'allaient pas, quoi. Donc, écoute, merci de ce fou rire. Romain, du coup, si t'as un souvenir, tu peux dire, mon meilleur souvenir n'est pas encore arrivé, c'est quand je te rencontrerai. non, tu vas être triste, malheureusement. En vrai, j'ai deux meilleurs souvenirs. Le premier, ça a été vraiment le début du doublage où j'ai vraiment officiellement fait Tai Chi pour la première fois. Et le deuxième, c'était un épisode qui n'avait rien à voir, c'était l'épisode Pumpmon Godsumon. Bien sûr. qui avait rien à voir et du coup qui était un épisode mais complètement fandard, même si nos deux personnages malheureusement ne finissent pas très bien. C'était l'épisode complètement loufoque, complètement inattendu et ça c'était super fun aussi. Ouais, je suis d'accord, c'était extrêmement touchant en fait. En plus, leur histoire est extrêmement touchante et ils sont très très drôles à jouer, donc je suis tout à fait d'accord. On a été en duo pendant un épisode. C'est ça. Attendez, Sokaïd veut parler. Je t'avais muté volontairement parce que du coup, tu faisais un écho. Tu peux parler. Non, je disais qu'ils ont été meilleurs que les originaux parce que moi je les détestais vu qu'ils arrivaient entre le 32 et le 34, donc ils m'ont empêché d'arriver en fait. Ils ont empêché Chikari d'entrer en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là ces deux cons? Et en fait, ils m'ont fait mourir de rire. Le duo Luninarius Discordia m'a fait mourir de rire et maintenant je les adore. Je dois avouer que la chronique aussi de Pumpmon et Godsumon, qui avait écrit Valentin, a été extraordinaire aussi. C'est clairement la meilleure chronique que j'ai faite. Mais elle est très bien. Mais du coup, Sokaline, ton meilleur souvenir à toi, vu que je t'avais donné la parole. En termes de doublage, bon, évidemment, j'étais une grande, grande fan d'Ikari, comme vous le savez. Donc, moi, l'épisode 34, la rencontre avec Tailmon, je l'attendais depuis tellement longtemps de le doubler. Mais en fait, le doublage qui m'a le plus marqué, pour être honnête, c'est le film 1, quand Ikari est encore un bébé. Parce que j'ai vraiment redécouvert de A à Z ce film grâce à notre version. J'avais jamais vraiment écouté la VO et tout, et j'ai complètement redécouvert ce film. Et là, j'ai vraiment découvert une nouvelle Ikari, un nouveau
un nouveau Digimon, vraiment. Et bah, c'est le premier doublage que j'ai fait avec vous, donc forcément, ça m'a marqué. Et sinon, en termes de souvenirs, bah, je m'en suis souvenu ce matin. C'est peut-être la période qui fait ça. Pardon, il y a mon chat qui débarque. Je me souviens de notre Secret Santa. Ah oui. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Oui, sur oui. Twitch, là, je ne sais pas si on est coupé. Il y a une pub, ouais. Oui, il y a une pub, donc je ne sais pas s'ils nous entendent. Alors, vous savez quoi, pendant la pub, on va dire des bêtises. Non, mais il y a tous ceux qui sont subs qui vont nous entendre quand même. Ah oui, c'est vrai. Alors, on ne va pas dire de bêtises. Ah, c'est dommage, j'allais les insulter, mais je peux pas. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas abonné peut me dire si la pub s'est arrêtée? C'est bon, il n'y a plus de pub, là. Donc, vas-y, Sokaline, la pub est passée. Donc, je disais, en ce qui concerne nos souvenirs plus personnels, je me suis souvenue, parce que c'est sûrement la période, de notre Secret Santa, qui avait quand même vachement fédéré le groupe, parce qu'on avait tous fait des unboxings, parce qu'on s'est tous offert des cadeaux alors qu'on ne se connaissait pas, et ça nous a permis tellement de nous connaître et tout. Et je me rappelle tout le temps quand je vois mon petit sac. Bastien, du coup, et Romain n'ont pas connu, parce qu'ils étaient encore arrivés, mais c'est vrai que c'était la première animation que j'ai lancée. Bon, après, je l'ai dit dans mes messages en interne, mais les confinements, les couvre-feux qui ont duré 8 mois, si on s'en souvient, on a oublié, mais ça a duré longtemps, hein, c'est bizarre. On favorisait ça, et c'est vrai qu'on avait lancé ce Secret Santa comme premier jeu. Ça avait vachement fédéré, parce qu'en effet, comme tu dis, on a offert des cadeaux à des inconnus et tout. On faisait des unboxings en vidéo, enfin, on s'est rencontrés et découverts comme ça. Et après, du coup, je vais aller sur un de mes meilleurs souvenirs. Moi, ça a été les jeux qui ont suivi. Il y a eu le jeu du bébé qui nous a donné des fous rires et Secret Story. Moi, Secret Story, ça reste... Mais je trouve ça fou, moi, que le jeu du bébé ait marqué autant de monde alors que je trouve qu'il était pas... C'était pas le plus ouf de tous. Moi, je trouvais que Secret Story, il y avait une Secret Story au-dessus. Mais je sais pas, les jeux, ils sont tous marqués par le jeu du bébé. Alors, soyez pas surpris par le nom du jeu. Hein. Il n'y a pas un jeu où on a balancé un bébé. Du mal à un enfant. Je préfère prévenir les gens, hein. Sachez que en fait, le jeu du bébé, c'est juste que ça consistait à envoyer une photo de nous en version quand on était petit, bébé, donc suffisamment pas reconnaissable, et ensuite les gens devaient raccrocher qui était qui à quelle photo. Voilà, c'est tout. Et il y a eu des grosses erreurs parce que Mario et moi, on a été mélangés et confondus, alors que ça paraît improbable, adulte, mais bébé, en tout cas, on nous a mélangés. mais non. Mais on se connaissait pas du tout aussi. C'est ça. À cette époque, on se connaissait pas trop. C'est vraiment des jeux qui nous ont appris à nous connaître, en fait. Mais c'est pour ça que Secret Story, pour moi, déjà en termes de production, ça donnait déjà le là sur ce qu'on savait faire. Hein. C'était un préquel de Dynasty. parce que Discordia venait d'arriver. Elle avait fait des montages. Il y a eu un générique de fées et tout. Il y avait tellement de... Bah, vraiment, on y passait jour et nuit et tout avec toutes les mécaniques du jeu. Bon, encore une fois, en fait, il y a le Covid. Je vais vous raconter... c'est plus à toi, Aldric, que je peux raconter l'anecdote. Mais bah, en gros, tu vois, vu que justement, tu dis que je venais d'arriver, en fait, et j'étais encore un peu timide, tu vois, à me dire bah attends, m'inclure dans le groupe c'est pas facile et tout, et quand il y a beaucoup de monde, et donc oula, je m'entends en écho, et en gros quand j'ai vu que tu disais ouais je vais faire Secret Story, ça vous dit et tout, est-ce que ça vous dit pas que s'il y en a qui sont capables de faire des trucs, de m'aider pour faire des visuels, des machins, je sais plus, t'avais demandé, t'avais posé une question et pour savoir s'il y avait des gens qui pouvaient techniquement t'aider, et je me suis servi de ça et je me suis dit non vas-y c'est bon, je vais proposer mon aide pour essayer de m'investir dans le groupe et de pouvoir apprendre à connaître les gens, tu vois, et je me suis dit, bah, en plus, commencer par toi, vu que t'étais le chef du groupe avec François, c'était cool. Mais ouais, pour moi, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, allez, vas-y, tu prends ton courage et tu vas proposer ton aide aux gens pour mais les aider. Tu sais que ce qui est drôle, c'est que c'est finalement le début de notre amitié, parce que c'est quand tu t'es impliqué dans ça et que tu t'y es mis à fond et que finalement, tu m'as secondé sur cette tâche à fond, je me suis dit, ah, tout, c'est cool, que finalement, progressivement, j'ai découvert que tu avais des talents techniques, que ensuite on t'a exploité très largement pour des bandes rythmo et d'autres choses, parce que du coup Tellement n'était pas encore là, et que sont arrivés tous les projets qu'on a pu avoir, de Digi-Nasty à la Team Rainbow à tout ça. C'est parce qu'en fait tu as pris cette opportunité en disant coucou, je sais faire des choses, et moi tu sais que je suis amoureux des gens talentueux qui voilà, tu sais que moi mais je match comme ça. mais voilà, il n'y aurait pas eu Secret Story, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes nos collaborations. En fait j'avais envie de vous aider parce que vous aviez déjà mis des messages comme quoi vous cherchiez des gens pour la technique et tout, pour aider un petit peu, et en fait j'osais pas non plus y aller, et parce que je me suis dit bah je suis pas sûre, suffisamment
sûre de moi et de mes compétences pour pouvoir peut-être aider, donc je savais pas trop, vu que c'était la première fois que je faisais ça en plus de ma vie, un projet comme ça. Et vraiment, pour moi, Secret Story, ça a été un moyen de montrer mes compétences, de montrer que j'étais là, que j'avais envie de vous aider, que j'étais contente de m'investir et d'apprendre à vous connaître. Et voilà. Bah bravo, c'est réussi. En fait, j'avais déjà l'idée de vouloir vous proposer mon aide pour les bandes rythmo et tout, mais c'est juste que j'osais pas parce que... Donc voilà. Ça paraît tellement improbable de dire qu'il y a eu un temps, une époque où Amandine était timide. Et donc du coup. Non, mais t'as dans un groupe où il y a 15 personnes, t'es pas non plus ultra à l'aise. En mais moment, mais du coup, c'est vrai qu'une des forces du groupe faisait aussi qu'il y avait. On était extrêmement peu. Toi et moi, je pense qu'on est les deux personnalités vraiment les plus leaders et les plus fortes du groupe. Donc du coup, je pense que c'est ce qui a aussi fait que le groupe a très bien fonctionné et était génial, c'est que il y avait personne essayé justement de trop vouloir se mettre en avant, de tirer la vue. Enfin, j'ai connu des troupes hein, où peut-être que ceux qui sont artistes aussi sur scène l'ont connu aussi, mais des troupes de spectacle où voilà, t'as des problèmes d'ego, t'as des gens qui veulent tirer la couverture à eux-mêmes. Ici non, c'est chacun avait son truc, même si certains ils faisaient juste un Digimon qui n'a que trois lignes. Coucou Virgile. du coup, ça ne les empêchait pas de s'impliquer autant que les autres et d'aimer les gens et de vouloir mettre la main à la pâte. Et ça, c'est vachement cool. Et du coup, le dernier souvenir, c'est pour toi, François Patamon. Me dis pas que c'est un doublage. Mais c'est pas grave. T'as pas dit le tien. Au vôtre, alors ça me va. Ah non, mais attends. Avant François, Amandine. Du coup, quel est ton souvenir? En fait, depuis tout à l'heure, je réagis à tous vos souvenirs. Oui. Je dis pas le mien. Voilà, donc ça résout le problème. Non, en gros, je pense que, en fait, c'est un souvenir, je sais plus, mais en gros, c'est vraiment toutes ces... Ouais, il y a tellement de moments où on a eu un after, en fait. Pour moi, c'était les afters où vraiment on a eu... le maillon faible période. Hein? Je me ouais, suis souvenu... les maillons faibles, et tout comme ça. Mais ça, en ouais. gros, imaginez que chaque soir, chaque dimanche soir, après les épisodes de Digimon... on se retrouvait en after et quand c'était encore un peu Covid et tout, on était vraiment nombreux à venir se rejoindre sur Discord et tout pour discuter. Et c'est vrai que pendant toute cette grosse période, vraiment j'ai eu tellement de fou rire. Et je me souviens, il y avait des moments où j'étais là, je me disais mais punaise, demain j'ai boulot, je dois me lever hyper tôt. Mais je m'en fous en fait, c'était tellement drôle, tellement génial l'ambiance et tout. On échangeait sur tout, on a échangé sur les épisodes, on parlait de doublage, on parlait de nos vies perso, on racontait des conneries. Et en fait, pour moi, l'after, c'est un peu les points de départ de plein de choses qui se sont passées après. Donc, ne serait-ce que juste les événements qu'on a eus, divers et variés. Mais en fait, les afters, à chaque fois, c'était des trucs très... des moments très particuliers qui donnaient naissance à Diginesti, au château, à plein de choses, aux clips, à tout, n'importe quoi. C'était un moment d'échange et voilà. Et on laissait, et même la team Rainbow a possiblement oui, oui. commencé aussi c'est lors ça. D'un after, je saurais pas dire comment exactement. Avec Pokémon, hein, c'est parce que du coup, il y avait eu ça et la fameuse interview que je vous avais faite, il y a eu un moment, oui. j'ai fait une interview de tout le monde où vous aviez des questions c'était individuelles, ça. Valentin et toi avaient la même réponse sur Pokémon, et en after, on s'est dit, ah, et si on faisait un épisode de Pokémon, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, y a tellement de choses qui sont parties depuis les afters. Et aussi, comme j'ai dit, en fait, les afters, c'était aussi des moments pour apprendre à connaître les gens qui étaient géniaux. Et les amitiés sont nées dans ces moments-là aussi. Parce que oui, on double ensemble, on discute un peu sur Messenger. Mais les vrais échanges sur les vies perso des gens, sur leurs projets, la manière dont ils pensent à plein de choses, etc., échanger des idées... Et partager des souvenirs, c'était dans ces moments-là que ça se faisait le plus, donc voilà. Et pour conclure, François, du coup, tu as la lourde tâche de donner ton souvenir. C'est formidable, hein, parce qu'avec tout le temps que j'ai eu pour réfléchir, on pourrait penser que j'ai trouvé un souvenir. Et non, je n'en ai pas, c'est trop compliqué à en choisir un. Non mais sans déconner, j'en ai pas, c'est trop dur d'en choisir un. vraiment qui représente tout le truc. Je veux dire, je me souviens de plein de trucs, moi, genre quand je t'ai rencontré au tout début et que tu m'as dit ah mais c'est parti, on avait ouvert les castings. Le fait déjà de recevoir des gens qui envoyaient des castings, pour moi c'était fou. Une fois qu'on a eu fini de boucler le casting, qu'on a appelé les gens pour leur dire c'est parti, on se lance, c'était fou. Quand on a fini de faire le premier épisode, qu'on l'a regardé première fois avec vraiment toutes les voix posées dessus et tout. C'était fou!
Quand on recastait Taichi à chaque fois, c'était fou. Oui. Et on repartait, tu vois, on a fait un épisode, deux, trois, après, on était en mode, on est déjà au 10e, 20e et tout. Et puis, je sais pas, voilà, après, il y a des épisodes comme ça, par-ci, par-là, comme a dit Picasso Mon, juste avant, tu vois, il y a deux, trois épisodes qui ressortent un petit peu, comme le 21, le 39... Des trucs comme ça, des scènes, des machins, voilà, c'est trop difficile. Le 54, quand on a fini de doubler le 54, que j'ai pleuré à l'adaptation, quand j'ai entendu les voix, la version finale, tout ça, pouvoir bosser sur Bokurano Wargame ou sur le premier film, moi, c'était des trucs que... Enfin, ça m'a fait trop plaisir. Et puis voilà, c'est trop compliqué de choisir un seul truc. Vraiment, hein, de voir pareil, après, quand on a fait tri, qu'on a eu besoin d'essayer de retrouver d'autres gens et tout, voir que les gens étaient là, répondaient présents, toujours prêts, de voir comment, par exemple, Bastien, qui, quand tu faisais une rythmo que je finissais le vendredi soir à 19h, on recevait ses pistes à 19h30, tu vois, avec Daigo Agumon qui était faite et tout, c'était... Fin... Mais Bastien qui moi, me surprend parce que je suis sur un nouveau projet où je mets un message dans un groupe en disant « Bon, bah, y a ça à faire. » Et deux minutes après, je reçois un oui transfert. « Voilà, c'est fait !» J'y mets « Comment ?» Bah, j'étais devant le micro. Mais il est toujours devant le micro. Il y a juste un bon timing. C'est vrai que le micro est là, mais il y a un bon timing. Hein. Généralement, je reçois vos messages quand je suis en train de me dire « Bon, je vais faire mes enregistrements. » voilà, on le sent. Ça tombe bien. Non, mais c'est ça. Mais ouais, non, il y a tellement de petits trucs et de grands trucs, tu vois. Des fois, c'est des tout petits détails comme ça, et puis des grands détails. Enfin, voilà, j'ai pas le droit de leur dire, du coup. Mais le château, tout ça, c'était fou. Et puis voilà, de pouvoir rencontrer les gens. Et eh ben, on en refera peut-être un jour, hein, qui sait, de toute façon. Voilà, c'est la série se termine. Ce n'est ni le début ni la fin de cette aventure. Et donc, du coup, bah voilà, nous, c'est une fin aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de notre amitié, ce n'est pas la fin de potentiels projets qui vont avoir lieu. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est juste, c'est une page qui. Ben comme dans le livre qui se tourne. Et ben du coup, exactement. Pour conclure notre futur, c'était le titre de ce film, on va conclure ça comme ça, ben, c'est quoi vos futurs, c'est quoi vos projets, c'est quoi, vous allez où, c'est quoi votre aspiration pour 2023, c'est bientôt les fêtes. Bah vas-y, dis-nous Aldric. Ah non mais c'est moi, je suis pas sans dernier, hein. je suis animateur, moi je pose des questions, je suis un passe-plat. Ah vas-y, tu pouvais montrer l'exemple. Ah vas-y. Bon, bah moi, bah, mes projets, bah, j'ai des séries, des fictions audio que je mets en place et que je vais avoir du temps pour bosser dessus exclusivement. Et j'ai un nouveau gros projet qui est Pokémon La Grande Aventure, hein, Manga Dome, que personne n'a vu venir ici, hein, je pense, parce que je sais que beaucoup l'ont... Et c'est en mode, what? Mais tu bosses sur ça. Et qui, du coup, est déjà bien avancé, parce qu'il y a les premiers épisodes qui sont en montage, mixage... Et voilà, donc une nouvelle aventure, moins compliquée que le doublage de Digimon, parce que du coup, voilà, pour plein de raisons, mais et avec peut-être plus de public aussi, parce que Pokémon, c'est une plus grosse franchise, et puis bah voilà, et des projets artistiques. Ah bah tiens, pour l'anecdote, avec Niwa, Shannon et Marion, on est en train de préparer, d'écrire et de mettre en place un spectacle autour d'Harry Potter, sur les quatre fondateurs. Voilà, pour ceux qui aiment génial. Harry Potter. Du coup, si vous êtes sur la métropole lilloise, bah, vous pourrez venir voir cela, vu qu'à l'avant de tout ça, bah, j'étais producteur des spectacles. Donc, ça nous manquait, et Digimon arrivant à sa fin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tous les quatre renouer. Voilà mes projets pour 2023. Alors, je veux bien postuler, parce qu'à 8 ans, j'ai joué dans une pièce Harry Potter faite dans un hôtel. Tu feras l'arbre. Et je jouais un hibou. Okay. Est-ce que je peux postuler ou pas? Oui. Voilà, s'il vous plaît. Bah après, écoute, on laissera de caler les dates de répète avec tes doublages crunchy, et puis il y a moyen que... Je veux jouer à un hibou, hein. C'est trop bien. Bah après, si c'est qu'un hibou, c'est bon, tu viens à la répète générale, on te met dans la... C'est bon, t'auras vite compris le rôle. Je t'enverrai les photos, il y a vraiment moi en hibou, à 8 ans, voilà. Du coup, voilà, 2023 en tout cas, avec certains, parce que, bah, notamment toi, François, vu que je t'ai dit, moi je veux toujours faire des trucs avec toi, donc tu vas mixer sur une de mes séries audio notamment. Tu joues aussi dans la plupart de mes projets finalement, comme d'autres, hein, comme Valou, comme Discordia, comme Nicolas. Donc à qui la parole? Qui veut donner ses projets 2023? Levez la main.
Bah, je désigne, hein, sinon, honneur aux dames, Sokaline. Là, maintenant que je peux parler ? Oui. Ben, maintenant que Sylvia Digimon est fini, ça va faire quand même un vide. Mais j'ai quand même pour projet de vous revoir. Hein, voilà. J'espère toujours vous revoir. Partager d'autres projets avec vous. Peut-être la saison 2 de ta série, Aldric ? Oui. Mon petit personnage. Voilà. Et ben, pour mes projets personnels, ben, j'espère continuer évidemment le doublage et de retrouver mes activités et voilà, la vie continue. Et m'occuper du petit chat qui n'arrête pas de faire ses allées et venues. Désolée. Et ben, c'est voilà. Parfait. Ben, de beaux projets. Autre dame, ben, du coup Discordia. Après, on passera à tous ces messieurs. D'ailleurs, il y a plus de messieurs dans le groupe, dans le Digimon ou... Je sais pas si c'est représentatif ce soir, mais on a plus de mecs que de filles dans notre groupe. Oui, je crois qu'il y a plus de mecs dans le fandom, ouais, je pense. Ouais. Et ben Discordia, tes projets 2023 sur la toile ou ailleurs. Bah 2023, ouais, bah maintenant vu que cette année, comment dire, je pense que les gens ont compris ou pas. Faut que je le répète encore une fois. Non, ils ont compris que tu étais devenue professionnelle. Voilà. Mais en attendant, je tiens quand même à. Je l'ai dit dans le message que je pour répondre à ton master pavé d'hier là. Mais vraiment, les amis, vous qui regardez ce projet là de loin, sachez que c'est grâce à Digimon et Digimon a changé ma vie. Voilà. Donc c'est beau. Donc rien que pour ça, je remercie Aldric et François et tous les gens du fandom. Vraiment, c'est sincère. Et je pensais pas qu'un projet comme ça, amateur, fait pour juste du fun et pour découvrir aussi une activité, aurait un tel impact sur mon existence. Mais si, c'est possible. Et ouais, bah, l'année prochaine, bah, l'idée, ce sera de continuer à faire grandir la chaîne Twitch, possiblement. D'ailleurs, monsieur Bastien, ici, qui est présent, il fait quelques apparitions en ce moment pour un JDR, voilà, sachez-le. Mais sinon, ouais, et puis bah, continuer à travailler, à essayer de faire ma place de plus en plus dans le milieu du doublage, voilà. Comme a dit Aldric, vous pouvez m'entendre faire une voix d'IA dans un film. Enfin, voilà, c'est quel rôle marquant. Et c'est la belle-fille du Père Noël et probablement future maman Noël dans Super. Parce que du coup, voilà, c'était la première fois que je regardais une série où t'étais du coup un personnage très important en voix et j'étais en mode ah voilà, ça fait toujours un truc un peu bizarre. Mon premier rôle dans une série, mon premier vrai gros rôle, voilà, c'est beau, hein, c'est beau. Donc voilà, sachez que c'est possible grâce à Digimon, tout est possible. Croyez en Digimon, voilà. C'est quoi la phrase sur les rêves ? Il faut rêver grand, c'est ça ? Très grand, il faut rêver très grand. Et ben voilà. Ouais. Quand tu rentres dans Digimon et que tu te dis ouais, parce qu'en plus je me souviendrai toujours d'avoir dit à Virgile, je dis à Virgile quand il me dit ouais je fais du doublage en amateur dans un projet Digimon, donc déjà je me suis rappelé que Digimon existait dans ce monde, parce que c'était un truc que j'avais un peu zappé, et je me suis dit ah oui c'est vrai la série que je regardais quand j'étais petite, et je lui dis est-ce que pour le fun je pourrais même faire juste un petit bonhomme qui passe en arrière-plan, je m'en fous, je fais juste une phrase, juste pour le kiff. Ouais, bah voilà. Voilà, on voit ce que ça donne. Donc, voilà. N'entrez pas dans l'engrenage, ou sinon, faites attention à vous, ça peut partir très loin. Et, voilà. Et bah, du coup, le prochain, ça va être notre Tai Chi. Pourquoi je m'y attendais, j'en étais sûr. Alors, déjà, gros projet que moi j'attends maintenant, ça va être Digimon Zero Two, je crois. Désolé, voilà, il fallait faire la vanne. François est mort. Mais surtout que t'es presque pas dedans. Mais du coup, ouais, mais... Alors, de tous les personnages là, à part Takeru Ikari, Taichi, quand même la moitié des épisodes, je pense, hein, dans Zero Two. Ok, voilà, il a du taf. J'avais envie de faire cette blague, ne me déteste pas, François. Non, ouais, mais tu sais, peut-être que dans 5 ans, on reviendra en mode bon, en fait, on se fait chier et tout, nos projets décollent pas, on fait Zero Two. Ouais, non, bah, j'ai pas tant de projets, à part continuer à bosser. Je vais remonter un petit peu plus souvent sur Paris en 2023. Je vais avoir une pièce de théâtre vers avril-mai. Et puis voilà, du boulot, quoi. Il y a quand même eu un message. Attention, il va y avoir 2 ruptures en live si tu annonces que Zero Two se fait. Donc, et même 3, parce que je pense que les ruptures, il y aura mon couple, le couple de François, le couple de Bébo. Donc voilà, les 3 couples vont subir.
Moi, je pense que le mien, il a tellement abandonné, vu que maintenant, il sait que c'est la moitié de sa vie, le doublage, donc je pense que maintenant, il est bon. Il a accepté la fin. Mais du coup, plein de beaux projets pour Lunarius. De la musique aussi. Ça y est, je peux enfin reprendre la guitare. Mon poignet m'autorise enfin à reprendre la guitare. Donc, va y avoir, je pense, je retrouve enfin mon groupe de musique en janvier. Ça va faire beaucoup de bien aussi, au moral. Mais par contre, je suis curieuse, c'est quoi la pièce de théâtre? Tu fais une pièce de théâtre sur Paris ou c'est sur... Non, là, ce sera dans ma région avec la troupe de théâtre que j'ai intégrée il y a un peu plus d'un an. On va refaire le Malade Imaginaire de Molière. Trop bien. C'est beau parce que tout le monde a des projets artistiques, je trouve ça trop beau. Et en même temps, c'est normal, vous êtes des artistes de base, donc vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Donc, Ouais, et encore, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de théâtre, j'avais arrêté à la fin de mes études de fac. Et là, en fait, quand j'ai fait mes premières formations en doublage, c'est là où je me suis dit, bah, peut-être falloir reprendre aussi un peu le théâtre, ça m'aidait à bosser un peu. Et puis, ça fait beaucoup de bien. Bah, c'est cool. Je sais pas si on reviendra te voir parce que tu n'es pas tout prêt, mais on pensera fort à toi en tout cas. Et prochain projet, Bastien, du coup. Coucou. Le partenaire. Moi, mes projets. Il y a à paraître dans les JDR sur la chaîne de Discordia. Dans mes projets. voilà ce que j'allais dire. Il y a interprété des rôles dans les fictions d'Albrecht. Plusieurs rôles, bientôt. Ouais. En tout cas. Parce que il m'a fait faire un tout petit rôle aujourd'hui dans Pokémon. Ah, dans Pokémon, de base, dans Pokémon, je le dis, il va jouer Blue, le bleu, le rival, du coup. Et il est excellent. Et il y avait un moment dans le chapitre 5. En fait, je connais ces modulations. Et dans le chapitre 5, il y a. Chez les dresseurs d'arène, donc avant de battre Pierre, il faut combattre un autre dresseur qui est là sur deux pages en fait. Et du coup, je lui dis, oh, j'ai la flemme de trouver quelqu'un juste pour ça, prends une voix virile, s'il te plaît, fais-le. Et hop, il me l'a fait. Une voix virile. Bonjour, je suis le dresseur. Et il me l'a fait en 2 minutes et c'était parfait, j'ai ok, nickel. My god. Voilà, il y a principalement ça. Sinon, autre projet, il y a mes projets sur ma chaîne, sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Déménager, je vais revenir vivre à Paris. T'as déjà une date? Pas encore. Viens donc. Et ce sera février-mars, à peu près, le temps que je rentre de ma maison ici et puis que je trouve quelque chose sur Paris. C'est bien, on fera une coloc géante si on va tous à Paris comme ça. On fera un secret story en live. Une coloc. Et ben c'est cool, du coup hashtag le tropeur, hein, mais je pense que tout le monde le sait maintenant que c'est là-bas que vous le retrouvez. Et puis il y a ta série, quand même je veux lui donner un peu de visibilité. Ah, Renegade, c'est en 2023. Mais c'est surtout ouais, que dans Renegade, il y a quand même dans Renegade, il y a Marion qui joue Sora, qui joue dedans, donc voilà. Effectivement, c'est une fiction... format visuel novel, c'est sur ma chaîne YouTube. Et c'est adapté d'un bouquin que j'écris et que je publie en ligne gratuitement. Et du coup, là, c'est le premier volume avec des comédiens. Et le premier rôle, Diablo Ruiz, il a des petits rôles sur Digimon Tree. Il joue le joueur de foot dans le premier film. Il joue d'autres personnages que j'ai oubliés. Parce que ils n'ont pas de nom. oui, des opérateurs. Du gâchis de son talent. Mais oui, alors, je suis d'accord. Mais moi, je l'ai connu. Je l'ai connu, j'avais plus de grands rôles à proposer. Parce que du coup, il n'y avait plus de grands rôles. Mais sinon, je suis d'accord que de ce que j'ai toujours vu de lui, il est excellent. Et tu as très bien choisi, du coup, ton premier rôle. Je te l'accorde. J'ai pas dit qui. Picasso Mon, parce que comme je le vois pas physiquement, je l'oublie. Hackmon, c'est quoi tes projets 2023? Déjà, Romain m'a piqué la blague sur Zero Two, donc c'est compliqué de dire. Non, sinon, je sais pas, un fan dub sur Pokémon du Crépuscule, ça vous tente pas? Ça a déjà été fait, donc. Ah bon? Non, il y aura effectivement, il y a quelques projets qui se préparent auxquels j'ai été gentiment convié. Il y en a notamment un qui a été cité. Moi, j'attends particulièrement d'enregistrer la saison 2 de Zut. J'ai un personnage très, très posé, dont j'aime beaucoup le sang-froid, que j'ai hâte de retrouver. Voilà, sinon, je continue, je vais peut-être reprendre un peu plus mes activités sur Planète Jeunesse, que j'avais un peu laissé de côté, donc je vais me remettre à écrire peut-être un peu plus souvent là-dessus. Voilà, sinon, au niveau projet personnel, je sais pas, peut-être me marier avec Benjamin, parce que Sokaline, finalement, elle a pas voulu. Voilà. Mais pourquoi tu veux te marier avec Benjamin?
Ah parce que bah, pour le consoler, parce que Svetoline, ah, oui. On veut pas. Donc moi ça me touche, je me dis, voilà. Attendez, je redonne la parole à Sokaline, je l'avais mutée, comme vous le savez. Vas-y. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Enfin, on va essayer. Hein. Eh ben merci pour ces jolis projets qui ont l'air géniaux. Vous avez remarqué comme j'essaie de donner du boulot aux gens après Digimon. Et du coup, Valou, quels sont tes projets ? Moi, du coup, sortir les chroniques qui suivent aussi Digimon Adventure Tree. C'est vrai, début 2023. Ça, je fais un peu perdurer Digimon un peu de mon côté parce que je suis trop triste que ça s'arrête. C'est tout. Après, je reste ouvert à tout type de projet. Mais toi aussi, t'es dans mes projets. Tu fais Nathan dans Level. Tu vas être dans Pokémon, le manga. Enfin, tu vas faire plein de choses. Ben voilà. Et ça, c'est un chapitre qui se tourne. Et puis, il y en a d'autres qui vont être écrits avec d'autres projets. Et... Je vais me renommer le pôle emploi du bénévolat. Parce que, vous le savez, je ne paye personne. Mais c'est chouette, du coup, plein de jolis projets. Et bien, le meilleur pour la fin, François, du coup, quels sont tes projets 2023 ? Y a-t-il zéro tout à la clé ? Y a-t-il du Digimon ? Eh bien, non, figurez-vous. Non, absolument pas. Non, du coup, moi, 2023. Alors, du coup, sur les 6 premiers mois de 2023, je vais donc hiberner. Quand je me réveillerai de mon sommeil profond, j'ai des projets un peu avec j'ai des projets avec Shadon, j'ai des projets avec Aldric, voilà, j'ai monté des projets à moi aussi tout seul, voilà, donc sans moi y arrivera-t-il, voilà, exactement, monter des projets audiovisuels, parce que avant de faire vraiment que de la partie son sur Digimon, moi je suis de base plus à la réalisation d'habitude, de courts-métrages et de web-séries et tout ça, donc j'aimerais bien reprendre ça sur 2023, et puis voilà, j'espère croiser et peu importe où tu iras en France, tu auras des comédiens à ta disposition, tu auras des Bastien, des Romains, des Sokaline, des Discordia, qu'il y a tout un panel comme ça, je me dis pourquoi pas essayer de trouver par-ci par-là et de rappeler des gens pour être motivé, voilà. Et ben c'est beau, et ben ça conclut bien ce live beaucoup plus long que d'habitude, hein, parce qu'on arrive à 3h et on est à 2h59 et 46 secondes, c'est parfait, on est à 3h, voilà. Du coup, bah, on va pouvoir faire nos adieux. Vous sentez qu'on ne veut pas partir ? Un petit peu, non, bah, du coup, il faut rendre l'antenne quand même. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y a juste André qui demande que va devenir la chaîne Twitch, peut-être si tu veux rappeler ce que va devenir... Alors, elle ne va pas disparaître, parce que, alors, maintenant que quand on a ouvert Twitch... On a voulu lancer une chaîne Twitch pour Digimon en France, parce qu'on n'avait aucune. On n'a pas eu le temps, enfin, personnellement, avec la production, c'était compliqué de faire les deux, mais maintenant que la production est terminée, la chaîne Twitch va avoir des lives consacrés à Digimon très régulièrement. Avec Valentin, s'il est toujours au cœur, on va reprendre la diffusion des Digimon Frontières une fois par semaine, parce que du coup, on avait vu que la moitié de la série. Et on regardera aussi d'autres séries, parce que Digimon, c'est pas que Adventure, il y a plein d'autres choses. J'ai prévu des lives aussi, notamment en collaboration avec Priscilla de Trash, sur l'actualité Digimon. Avec François, on a quand même l'envie de continuer à faire redécouvrir les versions upgradées et mises à jour de nos épisodes de Digimon, qui, ça nous permet de les revoir, de donner des anecdotes, de regardez Zéro Tout, parce que même si on ne fait pas le doublage, François généreusement fait le sous-titrage avec du coup très adapté de ce que nous on a fait. Comme ça on regardera chaque dimanche un épisode, ça nous permettra pendant un an de continuer l'aventure Digimon, de voir un peu ce que deviennent nos personnages, comme ça vous pourrez continuer à suivre. Donc il y aura des lives Digimon une fois par semaine, pas ou voire deux exceptionnellement, mais voilà, la chaîne continuera et fera vivre l'aventure Digimon en France, sachant que, même si c'était la fin, c'est pas vraiment la fin, parce que la semaine prochaine sort le clip donc, de Bokura No War Game, le 1er janvier, à voir si François a toujours possible de le faire ou pas, il y a une nouvelle surprise musicale qui doit sortir, et le 7 janvier, le drama, la pause de 2 ans et demi, que nous avons tous enregistré il y a 8 mois, sauf un comédien, qui doit l'enregistrer là, avant Noël. Et donc, on va pouvoir sortir ce drama d'un peu moins d'une heure, qui du coup se passe entre
la saison 1 et la saison 2. Et il y a les chroniques en janvier, février, donc de Digimon Tree qui vont continuer à venir. Et il n'est pas improbable qu'occasionnellement, en fonction du temps, il y ait des dramas, il y ait voilà, des petits dramas, des petits trucs audio autour de Digimon qui sortent avec nous, en fonction de quel comédien on a sous la main. Clairement, ça va être ça. Hein. Ça va être quels comédiens sont dispo ou quoi, et on verra pour écrire des petits, voilà, des petits dramas comme ça avait été le cas entre les épisodes 21 et 22. Parce que je pense que Valou a très envie de faire ça, donc voilà. Ça sera avec plus plaisir. Aussi intense, il n'y aura plus de deadline, il n'y aura pas forcément de date. Mais voilà, je pense que, par exemple, le 1er août l'année prochaine, comme chaque 1er août, on fera peut-être des petits événements pour célébrer notre existence avec des petits projets qui popperont. Mais je le redis, pour le moment, pas le zéro tout. Peut-être dans quelques années, on ne sait jamais. Mmh. Mais et s'il devait y avoir un nouveau projet doublage, je pense que ce serait plus Kizuna que Zero Two dans quelques années. Mais voilà. Et si nos comédiens veulent reprendre du service, bien évidemment, voilà. Faudra qu'on leur manque un peu. Bah non, parce qu'on sera tous devenus trop famous entre temps et voilà. Voilà. Tu sais, il y aura des incompatibilités dans le peu du temps. C'est ce qu'on voit souvent dans le milieu, tu sais. Mais voilà. du coup, voilà. En tout cas. À part dire merci à tous 62 ouais, comédiens. Je réponds juste vite fait parce que je vois passer des... Pardon, je les vois pas, moi, les messages. Bravio-san qui demande, François, ton projet de VF de Digimon Cross Force est toujours prévu. Alors, t'avais un projet de VF ? Doublage VF, non. Mais sous-titrage, c'est bien une saison que je voulais me faire. Pourquoi pas, une fois que Zero Two sera terminé. Donc, pourquoi pas, mais pas de doublage prévu pour ça. Voilà. Okay. Et puis bah merci ouais à toutes les personnes, je vois Guillaume qui remercie encore. Ouais bah André notre premier fan. André, ouais. Guillaume bah du coup pour le travail de ce que je vois t'as un contact que t'as fait avec nous. Kyotenshi parce que tu m'as beaucoup supporté pendant 2 ans et demi pour ça. Debo, je vois qu'elle est là dans les commentaires. Debo qui était je le disais mais notre première technicienne hein, la première à dire bon bah je peux vous aider. Et puis bah tous ceux qui sont pas là et j'ai pas envie de les citer parce que je vais en oublier mais bah si Shannon, Marion, Niwa les nouveaux. Bah oui, bah les nouveaux voilà, c'est bon, ça y est, t'en as oublié. tous les autres Mélissa, Noémie et puis voilà, j'ai dit 62 voix, donc je 62 voix au total, ouais. Quand même. Hein. Donc 62 voix sur 2 ans et demi. Donc je pense que on peut se féliciter. On a été le premier projet de fandom en France à faire ça et à être allé aussi loin. Donc voilà, on applaudit. Eh ben, bravo. Merci à vous. On va couper le live. Vous avez le droit de rester sur Discord si vous voulez. Et du coup, merci à l'équipe. Des amitiés sont nées, même en n'étant pas directement impliquées. Oui, parce que des amitiés sont nées, parce qu'on ne le voit pas, mais enfin, on l'a vu dans le clip. Mais en coulisses, des amitiés sont nées avec des fois les conjoints qui ont intégré le groupe. Voilà, je sais que j'ai toujours été dur avec le conjoint, mais je fais un gros merci notamment à mon Johan, à Letty, à Cernan. Qui sont, je pense, les 3 conjoints à avoir été les plus impliqués avec nous et qui nous ont supportés et qui ont fait beaucoup de choses avec nous. Ils ont beaucoup subi, ouais. Ils ont subi, surtout de ma part. Mais vraiment, heureusement qu'ils étaient là parce que je rappelle quand même, et même le conjoint de François, de tout le monde, parce qu'en fait, au final, ceux qui avaient des conjoints, c'était ceux qui s'impliquaient le plus, mais peut-être justement parce qu'ils étaient là. On avait moyen de s'impliquer parce que davantage que d'autres, peut-être parce qu'on avait ce soutien psychologique. Parce que quand tu dois emmagasiner autant de charges de travail, avoir des gens pour te soutenir et voilà, t'apporter un petit peu un sas de décompression, c'est sûr que ça fait du bien. Voilà. Ouais. Sans oublier tous les voisins qui ont entendu des cris chelous à travers les murs. Ouais, bon. Après. On pense fort aux voisins. Je vais pas avoir appelé la police. C'était la folie, hein, quand même. Et à Muriel, la première maman de notre groupe, à nous avoir suivis et avoir joué une maman et puis avoir été là. Et je dirais, oui. Et puis ouais non et puis vraiment une chose à retenir moi c'est tous les gens qu'on a fait passer derrière un micro parce que je dis 62 voix mais tous n'étaient pas comédiens certains étaient comptables, d'autres étaient juristes, d'autres étaient juste maman et voilà on a fait passer des gens derrière des micros et ils ont relevé le défi à chaque fois et encore une fois je pense que c'est extraordinaire et voilà on a fait un truc de fou et on est très émus et
Et merci beaucoup. C'est, j'ai du mal à me dire que c'est la fin. C'est vrai que c'est bizarre. Ah, moi, je n'imprime pas encore. Vraiment pas. Demain, ils vont pleurer. T'inquiète. Demain, ils vont pleurer. J'ai encore un peu de travail. Dans quelques jours, quand t'auras des messages de personnes qui viendront me dire quand est-ce que c'est zéro tout, t'inquiète pas, tu diras oh, si, c'est derrière moi. Parce que oh, si, c'est la fin, c'est la... bon, ça y est. Merci Marion d'avoir fait trembler les fondations de la maison. Oui, bah oui, Marion, qui a fait, toujours fait trembler ma maison, ça c'est sûr. Non, mais vous dites ça, mais souvent, on reçoit des mails. À chaque fois, quand on reçoit des mails, on a ah ouais, des messages super gentils, super mignons. Et à chaque fois, je les partage au comité. Et à chaque fois, c'est dans le message, même s'il y a bravo, c'est génial ce que vous faites, il y a toujours vous avez prévu zéro tout pour quand ? C'est quand zéro tout ? Zéro tout ? Ah oui, parce que les gens veulent savoir pourquoi on est passé de Digimon Adventure 1 à Tree. Bah oui, mais les amis, au moins il y a une continuité entre les deux. Là, il n'y a pas de continuité avec Zero Two. Enfin, si, si, enfin, une continuité. Il y en a une, mais c'est plus les mêmes héros. Donc, les gars, on n'avait pas besoin de faire de nouveaux castings. Il fallait recruter 6 nouveaux personnages. Ouais, mais c'est surtout que ça. Pour comprendre Tree, t'as pas besoin forcément de regarder Zero Two. Enfin, moi, non, ils les ont totalement. Aussi, à la fin, on les retrouve dans une machine, dans des machines. Bon. Oui, il y a juste, y a juste le côté. Au frigo voilà. Moi, il y a juste pourquoi Ikari et Takeru ont changé de bidule chouette de Digivice, ouais. Mais c'est tout. Hein. Et le Kaiser aussi. Kyo n'avait même pas réalisé que Zero Two était entre la 1 et la 3. Bon, bah, quand même. Hein. Ça paraissait logique dans le titre. Et bah, ben voilà, mais je vous dis, un jour peut-être, qui sait, il y a aussi Kizuna, et puis bon, il y a une suite aussi à Kizuna qui sort cette année, on sera l'occasion de faire des lives sur Twitch hein, quand ce film sortira et qu'on se retrouvera, et puis, ben voilà, mais merci de nous avoir vraiment tous soutenus, et puis moi j'ai hâte de vous retrouver dans d'autres projets, comme je vous l'ai dit, et puis voilà, raccrochons. J'ai du mal à cliquer sur arrêter. Allez. On dit au revoir en même temps, sinon. Ah, bah vous chantez une chanson, j'en sais rien, comme ça, on se quitte en chantant. Non, au revoir, c'est bon. Tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Attendez, je redonne du soin à Sokaline, elle peut dire au revoir comme ça. Vas-y, tu peux dire au revoir. Si les amis, à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir, bah je sais, pour vous quitter, je vous remets le clip, comme ça c'est bien, hop. Ah, ouais, voilà, on se quitte en chanson, je mets le clip, au revoir.